vous lever et acclamer loyalement pour les seigneurs de gloire. Acclamer loyalement pour les seigneurs de gloire. Est-ce que quelqu'un peut se tenir sur ses deux pieds et acclamer loyalement pour les seigneurs de gloire? Acclamer loyalement pour les seigneurs de gloire. Je suis étonné de voir des hommes assis. Je suis étonné de voir des personnes que le Seigneur a fait grâce. Si réellement le Seigneur t'a fait grâce ce matin, il t'a donné la force. Si tu reconnais que l'Éternel t'a donné la force, lève-toi sur tes deux pieds et acclame loyalement comme une personne qui a reçu la grâce du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, bien-aimé? Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame loyalement pour le Seigneur. Amen. Amen. Avant que nous puissions aller beaucoup plus loin dans cette école de délivrance, parce que nous sommes là ce matin pour être délivrés, mais avant que nous puissions aller très loin, j'aimerais que nous puissions mettre les anges en mouvement. J'aimerais que nous puissions mettre les anges en mouvement en faisant cette déclaration très prophétique. Là où tu es, tu vas commencer à déclarer Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Yes. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Yes. Toute la terre est remplie de sa gloire. Yes. Fais cette déclaration en battant le main. Ça sera une sorte de deux mots de passe pour que les anges soient en mouvement pour notre délivrance. Nous sommes là pour être délivrés. Est-ce que tu peux battre le main en déclarant Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. C'est notre déclaration ce matin et nous le disons avec foi. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est remplie de sa gloire. Et l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et toute la terre est remplie de sa gloire. C'est notre déclaration ce matin. C'est notre déclaration ce matin. Saint, Saint est l'Éternel. Et toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint est le Dieu des armées. Saint, Saint est le roi de gloire. Saint, Saint est notre maître. Et toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint, Saint est le roi de gloire. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu rendes gloire à Dieu. Que tu sois reconnaissant ce matin. Au moment où tu es en train de prier, il y a des hommes et des femmes qui avaient les mêmes intentions avant de dormir. Mais au moment où nous sommes en train de parler, au moment où nous sommes en train de prier, ils se sont retrouvés dans des comas. Ils se sont retrouvés dans des situations très difficiles. J'aimerais à ça que tu rendes grâce à Dieu pour le souffle de vie, pour la vie qu'il t'a donnée. Tu ne lui as rien donné pour qu'il te donne le souffle de vie ce matin. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu pour le souffle de vie. Seigneur, là où tu es à la maison, commence à battre le main. Dis merci à Dieu pour le souffle de vie. Matin, tu bien aimé, bas le main, dis merci à Dieu. Père pour éternel, le souffle de vie qu'il t'a accordé ce matin. Que tes bontés, il t'a accordé le souffle de vie ce matin. La vie. Père éternel, nous te bénissons pour tu la vie. Tu ne lui as pas donné nous de l'argent. Les mains et nous prions il y a des ceux-là qui avaient des bonnes nous intentions pour ce la matin. Santé. Nous te bénissons pour avant ce de réveil. Dormir. Nous te bénissons, Père disait, éternel, le Dieu des armées. Tu nous as réveillés le matin. Tu as révélé Dieu. Ta bonté. Mais tu nous as donné la vie. Tu as renouvelé tes bontés. Tu nous as donné la vie. Ils sont dans des comas. Père éternel, le Dieu des armées, le Dieu de grâce. Je te bénis et je te célèbre. Ils sont dans des situations difficiles. Le Dieu des armées, Père éternel, nous te bénissons pour la vie. Nous te bénissons pour la vie. Nous te bénissons pour la vie. Nous te bénissons pour la vie.
te bénissons pour la vie. Merci pour la vie. Pour le souffle de santé. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour ce sommeil doux et paisible. Merci pour ce sommeil doux et paisible. Merci pour la vie. Merci pour la santé. 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 Merci pour ce matin de grâce. 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 Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour la santé. Le roi de gloire, le Dieu des armées, le Dieu de grâce. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Nous te bénissons, le roi de gloire. Nous te bénissons, le Seigneur des armées. Nous te bénissons, Papa God. Papa, tu nous as réveillés ce matin. 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 Nous te bénissons pour la vie. Nous te bénissons pour la santé. Nous te bénissons pour ce troisième jour d'Anouka. Nous te bénissons, le roi de gloire. Nous te bénissons, le Seigneur de Seigneur. Nous te bénissons, le roi de gloire. Alléluia, 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 alléluia. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Merci pour la grâce. Merci pour la miséricorde. Merci pour la grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu te tiennes debout, s'il te plaît. À moins que tu sois malade. Mais si tu n'es pas malade, tiens-toi debout. Nous allons élever nos voix et rendre grâce à Dieu. Non pas seulement pour le souffle de vie, mais aussi pour la bonne santé. Il y a de ceux-là qui ont le souffle de vie, mais qui n'ont pas une bonne santé comme nous. Voilà pourquoi je vous ai demandé de vous tenir debout sur vos deux pieds pour que vous puissiez vous rendre compte de la bonne santé que l'Éternel vous a donnée. Rends grâce à Dieu non pas seulement pour le souffle de vie, mais aussi pour la bonne santé qu'il t'a donnée. Yes. Le fait d'être en bonne santé, c'est un signe que l'Éternel a encore de bons projets pour toi. Yes. Voilà pourquoi j'aimerais assez que tu battes tes mains. Bats tes mains. Dis merci à Dieu pour la bonne santé. Oh, le roi de gloire, le Dieu des armées, la le Dieu de grâce. La personne qui a la conscience, le Dieu qui est en bonne Père santé, éternel, le Dieu des armées. Cette personne qui a tu cette ne nous bonne a pas donné conscience, seulement la vie, si elle est mais en tu bonne nous santé, a donné la bonne santé. C'est grâce à Dieu. Tu nous a donné la bonne santé. Qu'elle batte les mains et que cette personne rende grâce, grâce à Dieu. Tu nous as gardé en forme. Si nous pouvons nous tenir sur nos deux pieds. Si nous pouvons nous tenir sur Dieu nos deux pieds, parmi les si vivants, nous pouvons nous tenir sur nos deux pieds, c'est par ta grâce, mais parmi c'est les par vivants grâce, en bonne santé. C'est par ta grâce, élève ta voix, c'est par ta grâce, c'est dis par merci ta à grâce. Dieu. Nous te célébrons, Jésus. Merci à Dieu. Nous te bénissons, est-ce Jésus. Que tu peux battre pour le la main santé, en disant merci à Dieu. Pour la santé. Pour la santé. Pour la santé. Quel est le nombre de ceux qui sont à l'hôpital? Quel est le nombre de ceux qui ne peuvent pas se lever comme moi? Quel est le nombre de ceux, alléluia, qui sont dans l'inconscience? Quel est le nombre qui sont dans le courant? Quel est le nombre de ceux qui vivent sous, alléluia? Quel est le nombre de ceux qui vivent sous anesthésie? Quel est le nombre de ceux qui vivent sous bonbonne? Père éternel, toi à moi tu m'as donné la santé. Toi tu m'as donné la santé. À moi tu m'as donné la santé. Toi tu m'as donné la santé. À moi tu as donné la santé. À ma famille tu as donné la santé. À mes soeurs tu as donné la santé. À mes frères tu as donné la santé. Pour le souffle de vie. À mon père spirituel tu as donné la santé. Ah ah, Seigneur, nous te bénissons. Pour la santé. Pour la santé, 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 pour la santé. Combien de fois la maladie a frappé à ma porte? Combien de fois la maladie a frappé à ma porte? Combien de fois la maladie a frappé à ma porte? Comme un bon berger, tu m'en as épargné. Comme un bon berger, tu m'en as épargné. Comme un bon berger, tu m'en as épargné. Merci pour la santé. Merci pour la santé. Roi de gloire, Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas parler à Dieu. Nous sommes là ce matin. Nous sommes connectés ce matin pour notre délivrance. Yes. Tu vas dire à Dieu, en ce moment de l'école de la délivrance, ne permets pas à ce que je puisse rater ce moment. Yes. Je ne suis pas réveillé ce matin. Je ne me suis pas connecté ce matin en cette école de délivrance
pour rater ma délivrance ce matin. Dis à Dieu que tu ne rates pas ce moment. Yes. Que tout ce qui est prévu pour ta délivrance, que tout ce que le Seigneur a prévu pour ta délivrance, que tu ne les rates pas yes. ce matin. Commence à battre le mal, à faire cette déclaration. Que le monde des au esprits entendent de Jésus que ce matin, Adonai, tu es là pour Dieu ta délivrance. Grâce. Que je et ne dis à rate Dieu, pas est-ce ce que tu peux que battre tu as le mal ce matin. Seigneur, je suis en train de prier. Je suis en train moment. De battre le mal. Je suis en train ce de déclarer que je ne raterai pas ce que Dieu a prévu pour moi ce pour matin. Je le déclare. Je ne raterai pas ce que Dieu a prévu pour moi ce matin. Je le déclare. Je ne raterai pas ce que Dieu a prévu pour moi ce matin. C'est que Adonai a prévu pour moi ce matin. Je prie et je bats le mal. Je prie et je bats le mal. Je prie et je bats le mal. Je prie et je bats les mains. Je prie et je bats les mains. Je prie et je bats les mains. Je ne passerai pas à côté de ma délivrance. En ce matin de ton délivrance, je ne passerai pas. Je ne passerai pas. Je ne passerai pas. Je ne passerai pas. Non, je ne passerai pas à côté de ma délivrance. Je ne passerai pas à côté de ma délivrance. Comme Bartimée, je prierai jusqu'à ce que Dieu entende ma voix, jusqu'à ce que le fils de David me voie, jusqu'à ce que le fils de David me voie. Je ne raterai pas ma délivrance. 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 En ce matin, ce que Yahweh a prévu pour moi, ce que le roi de gloire a prévu pour moi, je ne le raterai pas. Je ne le raterai pas. La clôture se paya, le ripé à bas se papa, et la clôture se paya, et la clapaya l'opré, et l'éclé pas sa paya. Je ne raterai pas, 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 et rabat sa paya, et l'éclé beau sopé, et la clôture paya, et clôture pas, et clapaya, oh le clôture pas si à bas. Allez, allez. Allez, 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 allez. Au nom de allez, Jésus. Au nom de Jésus. Pas les mains une fois. Yes. Pas les mains deux fois. Yes. Pas les mains trois fois. Yes. Nous allons prier parce que nous sommes là pour notre délivrance. J'aimerais assez que nous puissions lire un texte que notre Père aïe à lire. Je pense que c'est notre texte de base. C'est dans Éphésiens chapitre 4, le verset 7. Il est écrit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Yes. J'aimerais assez que nous puissions parler un peu de la grâce. Come on. Il y a de ceux-là que l'Éternel a envoyé sur la terre. Enfin, je voulais dire que tout le monde sur terre a une grâce que le Seigneur a déposé en lui. Yes. Ce matin, il y a de ceux-là qui sont en train de se préparer pour aller au travail. J'aimerais assez que tu pries pour ceux-là déjà qui ont fait la découverte de leur grâce, qu'ils prient pour la perfection de leur grâce. Yes. Pour ceux-là qui n'ont pas encore fait la découverte de leur grâce, qu'ils prient afin de découvrir les grâces que l'Éternel à déposer en eux. Yes. Comme nous sommes en train de parler de la délivrance ce matin, je crois que pendant que tu seras en train de prier, yes. toi qui n'as pas encore fait la découverte de ta grâce, ce matin, Dieu t'ouvrira les yeux afin de comprendre yes. les grâces qui sont enfouies en toi. Yes. Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen fort. Amen. Tu vas prier, bien-aimé. Que l'Éternel te fasse découvrir des grâces qui sont enfouies en toi. Yes. Il est écrit dans le livre des Actes que tout don parfait, que toute grâce excellente vient d'en haut. Tu vas prier que l'Éternel fasse en sorte que des grâces qui sont enfouies en toi se révèlent. Parce yes. que ce sont ces grâces-là qui vont te permettre de vivre une vie heureuse sur cette terre des vivants. Yes. Je ne sais pas si tu es appelé dans quel domaine, brasse, mais j'aimerais assez que tu pries hey. Pour des grâces enfouies en toi. Il y a yes. de ceux-là qui travaillent même dans des domaines yes. où Dieu ne lève, ne yes. les voit pas. Ils travaillent dans des domaines dont ils ne sont pas appelés. Tu vas prier à Dieu
qu'il t'ouvre tes yeux ce matin afin de comprendre dans quel domaine il t'a appelé, quelles sont les grâces enfouies en toi. Est-ce que tu peux battre le mur parce qu'il s'agit de ta vie, il s'agit de ta délivrance. Il y a des grâces enfouies en toi, il y a des grâces enfouies en toi. Nous sommes dans l'école de la délivrance. Est-ce que quelqu'un peut battre sa main et parler à Dieu? Sotala, la découverte des grâces. La Bible dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. Quelles sont tes grâces enfouies en toi? Quelles sont tes grâces? Que tu comprennes, est-ce que tu peux battre le même prier? Tu ne sais pas, alors que tu seras en train de prier, alors que tu seras en train de battre le main et prier, l'Éternel t'ouvrira les yeux afin de comprendre dans quel domaine, quelles sont les grâces. Saute en bas. Le CBD. Est-ce que je peux prier avec quelqu'un qui a faim et soif de voir ses grâces s'extérioriser, se manifester? Ça fait des années que tu entres le faire le même travail. Peut-être que tu ne vois pas les résultats. Le problème, c'est peut-être que tu n'es pas dans un endroit. Tu n'as pas encore découvert de choses que l'Éternel a déjà enfouies en toi. Est-ce que tu peux prier? La Bible dit, tout don parfait, toute grâce excellente, ce sont ces grâces qui vont te donner la valeur ici sur terre. Est-ce que tu peux battre le même pied? Au nom de Jésus, je crois fortement. Partant de tes prières, l'Éternel t'a illuminé les yeux afin de comprendre quelles sont des grâces enfouies en toi au nom de Jésus. Pourquoi tu ne me donnes pas un amen? Donne-moi un amen bien. Amen. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 9 à 10. Je lis. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. 10. Celui qui est descendu
c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Notre Père nous a montré qu'en parlant de l'ascension, c'est un processus. Mais tu dois d'abord vivre l'humilité pour expérimenter l'ascension. Yes. Mais parmi les choses, tu dois d'abord descendre l'humilité. L'humilité. Dis avec moi l'humilité. L'humilité. Dis-le encore beaucoup plus fort, l'humilité. L'humilité. Mais j'aimerais vous dire une vérité, bien-aimé. Papa nous a dit que l'humilité se caractérise aussi par l'humiliation. Come on. Mais il y a une vérité. La vérité, c'est que il y a des humiliations qui ne viennent pas forcément de Dieu. Come on. Yes. Il y a des humiliations qui ne viennent pas de Dieu. Si vous lisez cette portion de Éphésiens 4, 9 à 10, la Bible dit, c'est lui qui est descendu, c'est celui qui est monté. Pose-toi la question, comment ton humiliation t'enfonce toujours, toujours et toujours? Come on. Ce n'est pas l'humiliation qui vient de Dieu. Ce matin, à l'école de la délivrance, yes, tu vas prier. Yes. Là où tu étais humilié. Ah. Là où tu te sens enfoncé dans l'humiliation. Come on. Et tu sais que cette humiliation, ce n'est pas une sorte d'humiliation de Dieu pour t'élever. Ah. Mais c'est une sorte d'humiliation du diable pour te faire du mal. Ah. Tu vas prier que tu sortes de cette humiliation. Amen. Pourquoi tu ne me donnes pas un amen bien? Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Dis avec moi, mon père, mon père. Mon père, mon père. Pourquoi tu ne réagis pas? C'est comme si tu n'es pas à l'école de la délivrance. Toi qui es assis, en tout cas, lève-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Lève-toi, nous allons faire des déclarations dangereuses. Il y a des humiliations, papa. 15 ans, tu vis la même chose. Ça, c'est pas Dieu. Dieu sait que sur la terre, ta durée de vie est de 120 ans. Il ne peut pas permettre à ce que tu vives l'humiliation. L'humiliation contre l'humiliation. Cette humiliation ne vient pas de Dieu. Dis avec moi, mon père, mon père. Mon père, mon père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me lève. Je me lève. Comme un enfant de Dieu. Comme un enfant de Dieu. Et je déclare. Et je déclare. Que cette humiliation. Que cette humiliation. Ne sera plus mon partage. Ne sera plus mon partage. En cette année. En cette année. 2023. 2023. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois conscient d'une chose. Quand on parle de l'humiliation ou de l'humilité, l'humilité se caractérise aussi par l'humiliation, mais il y a des humiliations qui ne viennent pas de Dieu. Ça fait des années que tu es dans cette entreprise, mais c'est toi qui n'expérimente pas la promotion. Tu es là dans tes domaines, dans le domaine des finances, c'est toi qui expérimentes toujours la honte. Ça, ce n'est pas une humiliation qui vient de Dieu. Tu vas battre le main. Yes. Afin d'éradiquer. Yes. Toute humiliation. Yes. Imposée par le monde des ténèbres. Yes. Asutakadiyaba. Dis avec moi, mon père, mon père. Mon père, mon père. Est-ce que tu peux le faire en battant le main, s'il te plaît? Fais-le en battant le main. Dis avec moi, mon père, mon père. Mon père, mon père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me lève. Je me lève. Comme un enfant de Dieu. Comme un enfant de Dieu. Je détruis. Je détruis. Toute humiliation. Toute humiliation. Qui vient du monde des ténèbres. Qui vient du monde des ténèbres. Pour m'enfoncer. Pour m'enfoncer. Pour me détruire. Pour me détruire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux battre le main et détruire? Je détruis toute humiliation qui ne vient pas de Dieu. Je détruis toute humiliation qui ne vient pas de Dieu. Je détruis toute humiliation
qui ne vient pas de Dieu. Je refuse toute humiliation qui ne vient pas de Dieu. Toute humiliation qui ne vient pas de Dieu. Qui vient pour m'enfoncer, pour me détruire. Et là, ce païa, et là, ce païa. Bien aimé, les anges sont là. Les anges sont là pour t'aider. Est-ce que tu peux battre le main? Bat le main. Bat le main. Bat le main. L'ocite coria. Allez. Blanda coria pose. Toute humiliation qui ne vient pas de Dieu. Je retrouve toute humiliation qui ne vient pas de Dieu. Je retrouve toute humiliation qui ne vient pas de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pas les mains une fois. Yes. Pas les mains deux fois. Yes. Pas les mains trois fois. Yes. Bien aimé, il y a des familles. Il y a des familles où pour mettre au monde, tu ne peux pas mettre au monde dans le mariage. Yes. Regarde tes soeurs, regarde tes frères. Ils ont des enfants. En mariage, il y a des familles où tu peux finir des études. Les diables te permettra de finir les études. Mais pour avoir un travail, c'est compliqué. Tu as fini tes études il y a de cela 15 ans. Il y a de cela 7 ans, 10 ans. Tu es toujours dans le chômage. Dis avec moi, ça ce n'est pas Dieu. Ça ce n'est pas Dieu. Dis-le bien, dis avec moi, ça ce n'est pas Dieu. Ça ce n'est pas Dieu. Je ne sais pas quel âge tu as, mais le mariage n'est pas ton partage. Ça ce n'est pas, dis avec moi, ça ce n'est pas Dieu. Ça ce n'est pas Dieu. J'aimerais vous dire quelque chose. Est-ce que je peux le dire? Come on. Est-ce que je peux le dire? Come on. Poussez-moi à vous dire quelque chose. Come on. Dans le monde des esprits bien-aimés, dans le monde de la sorcellerie, il y a trois paliers de la sorcellerie. Il y a ce qu'on appelle l'atmosphère de la sorcellerie. Il y a ce qu'on appelle les dons de la sorcellerie. Et il y a ce qu'on appelle les ministères de la sorcellerie. Le diable a imposé ces choses pour permettre aux hommes et aux femmes, surtout ceux-là qui appartiennent à Dieu, à être soumis à l'humiliation. Tu vas prier, yes, et détruire toutes les œuvres de la sorcellerie, yes, qui te pousse à vivre l'humiliation. Yes. Je ne sais pas dans quel domaine tu es en train de te voir humilié, mais j'aimerais que tu pries contre les œuvres de la sorcellerie. Tu vas commencer d'abord par détruire, yes, l'atmosphère de la sorcellerie. Dis avec moi l'atmosphère de la sorcellerie. Non, dis-le bien, l'atmosphère de la sorcellerie. L'atmosphère de la sorcellerie. Tu vas détruire l'atmosphère de la sorcellerie dans ta vie qui t'impose l'humiliation. Pas le main. Commence à détruire l'atmosphère de la sorcellerie. Je me lève contre toute atmosphère de la sorcellerie. Est-ce que tu peux battre le main? Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette humiliation ne vient pas de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ne vient pas de Dieu. C'est matin, tu as pris la décision de te délivrer. C'est matin, tu as pris la décision de te délivrer. Voilà pourquoi tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas détruire les ailes de la sorcellerie. Est-ce que tu peux battre le main? Et la sopaya, est-ce que tu peux battre le main? Et la clopoya, le main. Et la sopaya, et le clépaya, et le sopaya, et l'isepaya, et la cloporavaha, et la sopaya, et le sopaya, la payaba, et le sopaya, et la clozutalabaya, et la clapaya, et la lopaya laba, et la sapaya, et le clépaya, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me lève contre toute atmosphère de la sorcellerie. Je me lève contre toute atmosphère de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus. 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 Et la paya baya. Et la sopaya. Et l'éclat paya. Et l'obré calabaya. Et la sopaya. Et la clozipaya. Et l'isepaya. Oh l'éclat paya là-bas. Et l'obré calabaya. Oh le clépo yaba kapaya. Et l'isepaya. Oh le clozipaya. Allez. Et la sopaya, je me lève contre toute atmosphère. Je me lève. Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ce culte. Nous te disons merci pour ce service.
Nous te disons merci pour les milliers de personnes, les millions de personnes sur Power Channel, mais aussi ces personnes qui sont connectées sur YouTube. Que l'honneur et la gloire te soient donnés ce matin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Acclame bien les seigneurs. Acclame les seigneurs. Acclame les seigneurs. Bienvenue à Anouka 2023. Bienvenue à l'école de délivrance. À tous ces hommes et ces femmes qui ont décidé de voir leur vie changer, voir Dieu venir intervenir dans des situations compliquées, voir la puissance de Dieu venir les libérer des jougs des familles. C'est le rendez-vous des vaillants. J'aimerais dire à quelqu'un, en ce programme, Dieu ne va pas te laisser ainsi. Je vois l'histoire de quelqu'un changer. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen là où tu es. J'ai dit que ton histoire va changer. Ton histoire est en train de changer. Ton histoire est en train de changer. Tu ne le vois peut-être pas parce que c'est de manière spirituelle, mais au sortir de ce programme, tu verras les conséquences physiques dans ta chair. Que Dieu nous bénisse. Hier, j'ai introduit le message sur la victoire sur la sorcellerie en disant ceci, que lorsque tu lis la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu, chapitre 1er, à partir du premier verset, la Bible parle de la généalogie de Jésus-Christ. Je me suis posé la question, j'ai dit, mais pourquoi la Bible ne commence pas l'histoire de Jésus directement dans la rencontre de sa mère physique, Marie, et de celui qui était son père physique, disons comme ça, Joseph. Pourquoi la Bible ne commence pas directement Matthieu dans cette histoire? Pourquoi le premier livre du Nouveau Testament précise l'origine de Jésus-Christ de Nazareth? Je parle de son origine terrestre. On parle de ses ancêtres. Lorsqu'on parle de la généalogie, on est en train de remonter la filiation de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais, aucun homme ne commence son histoire par sa propre vie. Ton histoire a toujours commencé, a déjà commencé par des gens qui ont vécu avant toi. Si aujourd'hui Dieu pouvait nous permettre que chacun de nous puisse remonter l'histoire de sa famille jusque dans les années zéro, ou bien même à l'époque, je ne sais pas moi, d'Abraham ou je ne sais pas moi quoi, tu vas voir les arrière, tes aïeux et tu pourras voir beaucoup de choses. Je disais hier que c'est quelque chose d'important parce que on ne parle pas du présent sans le passé. Eh bien, de la même manière que le présent est peut influencer le futur, de la même manière que le passé influence aussi le présent. Je disais que pour Jésus, on donne son histoire, mais pour toi, quelle est ta généalogie? Du côté de ta mère, du côté de, de ton père, tu as forcément des gens qui ont vécu devant toi. Et en Afrique, je disais que, et de manière générale, hein, ce n'est pas qu'en Afrique, je m'excuse pour cela, la plateforme utilisée par la sorcellerie pour toucher des destinées, c'est la famille. C'est la famille. J'ai dit encore aux gens, je vois les jeunes couples, je vois certains des amis qui sont mariés, me dire, ouais, moi, mon couple, c'est moi, ma femme et mes enfants, c'est fini. Ça, c'est ce que tu t'es dit. Ça, c'est un leurre. Tu es en train de te tromper. Parce qu'un oncle qui est au village, qui a le même sang que toi, qui a le même nom que toi, peut manipuler des choses. Et toi qui es en train de vivre dans la ville ici, subir des conséquences. Pourquoi? Parce que cet homme vient de ta famille. Il a ton sang, il a ton nom, il utilise ses portes spirituelles pour influencer ta vie. Je disais que la sorcellerie, c'est le fait de pratiquer un art magique pour détruire une vie, une personne. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu fermes le portail de ta maison que tu interdis aux sorciers de ta famille d'entrer. Ce n'est pas parce que tu fermes ta chambre à coucher à clé que tu empêches à l'hôtel de la sorcellerie de ta famille au village de te localiser et de te manipuler la nuit. Tout ce que nous prenons comme précaution en termes de sécurité, nous le faisons en termes physiques. Mais en termes spirituels, tu ne fais rien. Tu peux même aller vivre en Europe. Tu peux même aller vivre aux États-Unis. Eh bien, s'il y a un hôtel
de ta famille à Boaké, s'il y a un hôtel de ta famille à Garoua, s'il y a un hôtel de ta famille à Thiès, s'il y a un hôtel de ta famille à Agadef, s'il y a un hôtel de ta famille à Chilenge, s'il y a un hôtel de ta famille au village des Zoulous en Afrique, mon frère, ma soeur, tu seras contrôlé. Je disais que la délivrance, c'est le fait de sortir de quelque part. Je disais que la délivrance, c'est le fait que Dieu empêche un mal qui était normalement prévu pour t'atteindre de réussir. Celui qui me donne un amen vivra sa délivrance au nom de Jésus. Écoute ce que la Bible dit. Genèse 11, le verset 27. Voici la postérité de Théra, la capoya kadega. Théra engendra Abraham, Nakor et Aram. Théra engendra Abraham, Nakor et Aram. C'est-à-dire Abraham est l'aîné. Nakor est le deuxième. Aram est le troisième. La Bible dit ceci. Aram, c'est-à-dire le troisième, mourut en présence de Théra, son père, au pays de sa naissance à Ur, en Chaldée. Abraham et Nakor, écoutez bien, prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Écoutez bien. Le nom de la femme de Nakor était Milka, fille d'Aram. C'est-à-dire, celui qui est mort avait une fille, des enfants, et c'est son frère qui a épousé sa fille. Écoutez le verset 30. Saraï était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Théra prit Abraham, son fils Lot, fils d'Aram, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils habitèrent. Le jour de Théra fut de 250 ans. Et Théra mourit à Charan. Donne-moi un amen, bien je vais te dire quelque chose. Amen. Frères et sœurs, la victoire sur la sorcellerie, c'est la victoire sur un système démoniaque établi dans la famille pour faire accomplir l'agenda du diable dans cette famille de génération en génération. Yes. La famille d'Abraham, son père Théra, était un polythéiste, c'est-à-dire les gens qui priaient plusieurs dieux. Dans le pays d'Ur, en Chaldée, où vivait cette famille, il y avait l'idolâtrie. Et on dit même, à cette époque-là, les gens offraient des sacrifices à des dieux. Il y avait des autels où les gens venaient faire des sacrifices. Donc, la famille d'Abraham était dans la sorcellerie. La famille d'Abraham était dans l'occultisme. Ce n'est pas Abraham qui a commencé ça. Il a trouvé ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Yes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Yes. Et on dit ceci. Lorsque tu lis cette histoire
et tu fais des recherches. Un jour, Abraham alla dans la tente où il y avait des autels pour des dieux. Mais dans cette région-là, ils avaient la connaissance qu'il existait un dieu inconnu par rapport au dieu qu'ils étaient en train d'adorer. Ils avaient là un autel dédié à un dieu inconnu. Yes. C'est pourquoi, dans le chapitre 12 de Genèse, Dieu, le chapitre 12 de Genèse commence. Et la voix de l'Éternel se fit entendre à Abraham. Yes. Pour lui dire, sors de la maison Amen. De ton père. Amen. Sors yes. de la maison de ton père. Amen. Lorsque tu lis la Bible, tu as l'impression comme si la voix est venue directement alors qu'il dormait. Mais lorsque tu fais des recherches sur cette histoire, la Bible dit que c'est lorsqu'il était en train de passer devant l'autel du Dieu inconnu que la voix est sortie de l'autel du Dieu inconnu pour lui dire « Sors !» Yes. C'est parce qu'il existait l'autel d'un Dieu inconnu que Abraham n'a pas résisté à cette voix-là et il s'est mis en marche. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un ce yes. matin, Amen. La victoire sur la sorcellerie commence lorsque tu décides de sortir d'un système. Yes. Ton amen n'est pas arrivé là où je Amen. Suis. La victoire sur la sorcellerie commence lorsque tu t'élèves et tu te décides de sortir d'un système. Yes. Il existe un système établi par le diable pour contrôler des vies. Il existe un système établi par le diable pour bloquer des destinées. Et béni soit Dieu, parce qu'à chaque système démoniaque, le royaume a prévu un autre système pour contrecarrer cela. Yes. J'ai dit à quelqu'un ce matin que le royaume de Dieu n'est pas resté inerte, n'est pas resté inopérationnel face au système du diable, de la sorcellerie dans nos familles. Amen. Le royaume de Dieu a prévu Amen. Un système parallèle Amen. Qui s'oppose à cela Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et j'aimerais dire à quelqu'un, yes. le système du royaume yes. pour s'opposer à ce système démoniaque, c'est toi. Tu ne m'as pas donné le meilleur des Amen. Amen. Tu ne m'as pas donné le meilleur des Amen. Amen. Yes. Frère, la délivrance ne commence pas par la prière. Dis-moi, avance, pasteur, je te dis quelque chose. Avance, pasteur. La délivrance commence par des sensations. Avance, pasteur. La délivrance ne commence pas par la prière. Yes. La délivrance finit par. Entre par la prière, se déploie, se détend, se libère par la prière, mais la délivrance ne commence pas par la prière. C'est lorsque tu es assis, tu regardes qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette famille. Tu n'acceptes pas de vivre dans cette humiliation. C'est vrai, il y a des choses que Dieu fait passer ses enfants. Mais est-ce que tu veux me dire que c'est Dieu qui a voulu que dans cette famille, toutes les générations, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui a un diplôme de licence? Mon Dieu. Non. Parce que le diable voulait contrôler la terre en multipliant des autels, en multipliant des familles dans la sorcellerie. Dieu aussi avait décidé d'avoir une famille. Yes. C'est pourquoi tu peux naître d'un père sorcier, mais tu n'es pas sorcier. Amen. Hey,
Maria mama la baba shala baba 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 Luca paya kapaya Luca paya kapaya Luca paya kapaya Luca paya Abraham était l'enfant des sorciers. Yes. Mais Dieu avait un plan pour Abraham. Amen. Je dis à quelqu'un, amen, même si ta mère est une chef coutumière, amen, Dieu a un plan pour toi. Amen. Celui qui me donne un amen reçoit sa part ce amen matin. Frère, avance, pasteur. Il appartient aux enfants de Dieu, il nous appartient à comprendre le système du royaume et à le mettre en application pour repousser le système du diable. Amen. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un vient me voir humblement pour me dire que j'ai un problème de délivrance, je ne prie pas d'abord pour la personne. Ne sois pas pressé. Quand quelqu'un vient te dire, par exemple, « Ah, moi, j'ai mari de nuit », tu lui dis, « Mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. » Ne sois pas d'abord pressé. Parce que tu as en face de toi un système qui occupe une personne. Nous avons des armes. Mais pour utiliser des armes, il faut comprendre d'abord ce système. Amen. C'est comme la Russie et l'Ukraine, ils sont en train de se battre. La Russie a l'arme nucléaire qui peut arrêter la guerre aujourd'hui. Mais la Russie n'utilise pas l'arme nucléaire parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas le faire maintenant. Mais si les États-Unis, si la France et la France, les États-Unis et les États-Unis essayent d'utiliser une arme atomique contre la Russie, c'est ce jour-là que l'Ukraine va disparaître. Et les Américains le savent. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'avant d'employer une arme, il faut connaître le terrain, comprendre les systèmes de l'ennemi pour les libérer. Yes. Yes. Écoute-moi. Je vais m'arrêter ici et on va prier. La stérilité de Sarai n'était pas du fait que Abraham était impuissant. Yes. Yes. La stérilité de Sarai n'était pas du fait que Sarah était Abraham était impuissant. Non, la femme, comment on dit pour la femme? Stérile. Ce n'est pas parce que Sarah était stérile que Abraham n'avait pas d'enfant. Yes. Donne-moi un amen, je vais libérer cela. Amen. Donne-moi un amen, je vais libérer cela. Amen. La stérilité de Sarah était l'œuvre du Seigneur. Parce que Dieu ne voulait pas qu'une postérité d'Abraham puisse naître dans un terre de la sorcellerie. Mon Dieu. Parce que Dieu savait que si un enfant d'Abraham naissait sur ce pays de la sorcellerie, yes, la sorcellerie allait avoir le droit de contrôler la vie de cet enfant. Yes. C'est pourquoi c'est Dieu qui a rendu Sarah stérile, yes, pour que l'enfant qui va naître de ce couple-là puisse naître dans une terre de délivrance. Je dis à quelqu'un, en cette école de délivrance, toute personne qui était stérile avant, à cause de la délivrance de ce matin, Dieu va te rendre fécond au nom de Jésus-Christ. Celui qui me donne un amen reçoit sa part. Il y a des affaires qui n'ont pas marché avant parce que Dieu ne voulait pas que la sorcellerie de la maison de ton père puisse avoir accès. Qu'aucun sorcier du village puisse croire que c'est l'autel de la famille qui a donné cette richesse-là. Voilà pourquoi je prophétise ce matin sous l'onction du Saint-Esprit que quelqu'un va vivre quelque chose d'extraordinaire. Dans cette école de délivrance, quelqu'un va vivre quelque chose d'extraordinaire. Maya papa papa, raka papa ya papa, et la papa papa sa papa, rade rade
Là où tu commences à battre les mains. Là où tu commences à battre les mains. Là où tu commences à battre les mains. Là-bas, Shababa. Adakata, Adakapa, Yakapapa. Commence à battre les mains. Commence à prier. Commence à battre les mains. Commence à prier. Commence à prier. Robash Kerega. Commence à battre les mains, commence à battre les mains. Adadadash. Adama mama. Iraka papa papa. Raka papa papa papa. Radada baba baskaraba. Iraka pora dash kedeba. Iraka pora de kaskaraba. Raka pora de skaraba. Raka pora de skaraba. Commence à battre les mains, iraka paya. Commence à battre les mains, commence à battre les mains. Raskere, reskade, rokabo, shkara. Contre toute puissance de la sorcellerie, contre ma vie. Alors que tu es en train de battre les mains, lève-toi là où tu es. Commence à déclarer, je suis l'instrument du système de Dieu pour repousser le système de la sorcellerie de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Commence à battre les mains, nous sommes en train de prier. Le système de la sorcellerie de la maison de mon père. Commence à battre les mains, commence à battre les mains. Eraskaba, Eraskadaba. Lève-toi, lève-toi, tu viens de dormir, lève-toi, 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 lève-toi. Ramaskara Baba, Urabash Kereba. Est-ce que tu peux battre les mains? Accélère, accélère, accélère. Raskorada, Irakababa, Iraskora, Inanamaskaya, Erabaskereba, Arakorade, Shkede Kabuya, Arade Kaskora, Erimaskoraba. Commence à battre les mains, commence à battre les mains. Commence à battre les mains, commence à battre les mains. C'est toi qui vas mettre fin à ce système. Raskoraba, Raskoraba. Uraskara. Commence à battre les mains, commence à battre les mains, commence à battre les mains. Et neutraliser dans le nom de Jésus. La paix au nom de Jésus. Acclame une fois. Acclame deux fois. Tu verras. Tu verras que tu as 5 enfants. Tu as 4 enfants. Tu as 3. Tu as 2. Les systèmes. Mike, est-ce que tu peux m'aider? Comment définir un système de manière informatique? Trouvez-moi la définition rapidement sur Google. Je vais donner une bonne définition. Les systèmes vont être actionnés pour aller réclamer un enfant à toi. Lève-toi là où tu es, s'il te plaît. Va réclamer un enfant de toi pour l'amener dans le banditisme. Et tous les enfants que tu as mis au monde, il n'y a qu'un qui est devenu un bandit, un dealer de drogue. Il n'y a qu'un, une qui est devenue lesbienne. Il n'y a qu'un qui est devenu homosexuel. Frère, lorsque le système s'empare d'une personne, c'est terrible. L'objectif est de détruire cette personne. Abraham ne voulait pas vivre dans un pays où les enfants allaient se marier entre eux. Abraham, poussé par un sentiment intérieur, voulait autre chose. C'est pourquoi l'œil de Dieu a vu sur la terre que c'est cette personne que je dois faire sortir pour commencer ma famille sur la terre. Yes. Pour me faire une famille. Amen. Je me redis à quelqu'un, même si tu dors dans cette maison-là, garde l'espoir. Yes. Que ton avenir va être meilleur. Yes. Même si tu vis des situations compliquées, même si tu tombes dans le péché, yes, mais j'aimerais que tu puisses te dire,
ça, ce n'est pas ma vie. Yes. Ça, ça ne me ressemble pas. Yes. Je ne vais pas continuer à être dans cette pratique. Yes. Même si tu tombes dans la masturbation, yes, là où tu es, dis-toi, Seigneur, sors-moi, yes, de cette situation. Amen. Dis avec moi, mon père, mon père. Mon père, mon père. Allez, mais dis avec moi, mon père, mon père. Mon père, mon père. Je ne t'entends pas. Nous allons passer 4 minutes de prière explosive. Dis avec moi, mon père, mon père. Mon père, mon père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bats les mains. Je bats les mains. Je déclare. Je déclare. De la même manière. De la même manière. Que tu as fait sortir. Que tu as fait sortir. Abraham. Abraham. De cette famille. De cette famille. De la sorcellerie. De la sorcellerie. De la même manière. De la même manière. En cette édition d'Anouka. Tu me fais sortir. De la sorcellerie de la maison de mon père. De la sorcellerie de la maison de ma mère. De la maison de ma mère. Frère. Je les prête. Frère. Frère. Sœur. La sorcellerie a pour objectif de détruire la vie de quelqu'un. Même les peines de 100 francs, ils ne vont pas te donner. Même un verre d'eau, ils ne vont pas te donner. Ils sont contents. Écoutez, hier, il y a une dame qui m'a écrit, qui me demande de prier pour un cas. Une femme est à sa 3e grossesse. Les 2 autres premières grossesses, elle perd cela toujours à 9 mois après avoir fait un rêve qu'elle a perdu la grossesse. Mon Dieu. La première grossesse, elle a perdu à 9 mois après un rêve. La 2e grossesse, elle a perdu à 9 mois après un rêve. Là, elle est dans sa 3e grossesse et elle est arrivée au 3e mois. Frère, si tu ne pries pas, l'histoire va se répéter. Si tu n'es pas là, ils vont attaquer tes enfants. Si tes enfants ne sont pas là, ils vont attaquer tes petits-enfants. Commence à battre les mains ce matin. Commence à déclarer au nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Ce matin, nous prions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce in the name of Jesus, in the name of Jesus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis en train de prier, je bats les mains, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis du système du royaume de Dieu, je suis du système apostolique qui déclenche le processus prophétique pour contrer les systèmes démoniaques et les remplacer dans ma vie, au nom de Jésus-Christ, je suis en train de déclarer ce matin que tous ceux qui sont connectés sur Power Channel, tous ceux qui sont connectés sur YouTube, tous ceux qui sont ici en présentiel sont dans le système du royaume apostolique qui conduit un processus prophétique pour contrer les systèmes démoniaques dans nos vies et de le remplacer au nom de Jésus. Je prophétise alors que je bats les mains, je déclare ce matin, j'ai la sorcellerie sur tout système démoniaque qui attaque ma destinée au nom de Jésus, au nom de Jésus, ma pora kepa, rokopo naka papa, okapo no boshaka, epaya papa papa, epaya papa papa, epaya papa papa, chapaya papa. Quelqu'un va faire le mouvement qui puis annonce sa délivrance. Mayaka, mayaka pura, harakura prakla. Il reste 30 secondes. Est-ce que tu peux battre les mains? Bats les mains, il reste 30 secondes. Tu ne finiras pas comme ton père. Tu ne finiras pas comme ta mère. Tu ne finiras pas comme tous ceux qui t'ont devant, ceux qui sont morts à cause du système. Toi, tu vas échapper. Toi, tu vas échapper. Toi, tu as la victoire sur la sorcellerie. Toi, tu as la victoire sur la sorcellerie. Une situation au nom de Jésus, la sorcellerie est paralysée au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Acclame une fois, acclame deux fois. Même dans les églises, il y a un système de sorcellerie qui attaque des églises, qui attaque des ministères. Ils opèrent par infiltration. Il n'est pas seul, ils sont plusieurs. Ce que tu es en train de vivre qui n'est pas normal, derrière ce système
qui attaque tes activités, qui attaque ta croissance. Il y a toute une organisation derrière, hommes et femmes qui t'attaquent. Ce matin, yes. Nous sommes en train de prier. Au nom de Jésus. 30 secondes de prière. Yes. Tu vas battre les mains. Au nom de tu vas Jésus. Dire à Dieu, ouvre-moi yes. les yeux yes. pour que je voie les visages yes. de ceux qui opèrent yes. pour le compte du système des yes. diables pour détruire ma vie au travail, Jésus. À la au maison, de à l'école des de enfants, Jésus. Même dans mes entreprises, dans mon église. Est-ce que tu peux battre les mains? Nous sommes en train de prier. Parce que tout est à nu et à découvert devant toi. Que rien tout infiltré. Au nom de Jésus, acclame une fois, acclame deux fois, acclame trois fois. Aujourd'hui, de la même manière que Abraham est sorti, tu sors de quelque part. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Tu sors de quelque part. Yes. Tu sors de quelque part. Yes. Tu sors de quelque part. Yes. Donne-moi un meilleur amen, je vais déclarer. Amen. Tu fais partie yes. des hommes et des femmes amen. Que le ciel a décidé d'aider pour te faire sortir de quelque part. Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Je reçois cela au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie d'être encore devant vous aujourd'hui. Yes. Il est 7h juste, nous devons arrêter parce que les gens doivent aller au travail. Tu vas prendre ton offrande là où tu es, pour ceux qui sont ici en présentiel. Il y a un panier, vous allez mettre l'offrande. N'oubliez pas que c'est un culte et il n'y a pas de culte sans offrande lorsqu'il y a toute une assemblée de gens qui sont réunis. Vous êtes en ligne, béni soit Dieu qui vous fait sortir de quelque part. Envoyez votre offrande via le QR code qui apparaît devant votre écran. Envoyez vos offrandes, vos dîmes, vos libéralités. Vous voulez soutenir Anouk à 2023. Appelez les numéros qui sont devant votre écran. Vous pouvez envoyer par, pour ceux qui sont au Congo ou bien qui sont à l'étranger, vous pouvez envoyer par Orange Money. Vous pouvez envoyer par Airtel Money. Vous pouvez envoyer votre offrande, votre soutien par M-Pesa ou bien AfriMoney. Il y a aussi le compte PayPal qui est là, scannez juste le QR code. Vous allez avoir l'adresse, l'adresse PayPal. Si vous voulez faire un virement, appelez les numéros qui sont au bas de l'écran. Nous insistons. Faites très attention à toutes les personnes qui vous demandent de l'argent inbox. Même moi, faites attention. Ce ministère n'opère pas de cette manière-là. Attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de Hanouka pour arnaquer les gens. N'envoyez pas votre argent à Bamako, n'envoyez pas l'argent au Bénin, n'envoyez pas l'argent à Brazzaville, non. Le ministère du prophète Joël Francis Tatou est basé à Kinshasa et voici les références officielles que vous avez devant l'écran. En cas de doute, faites toujours vérifier l'information par des personnes que vous connaissez ici et on vous donnera la bonne information. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse sortir de quelque part. Amen. Shalom chez vous. Amen.